On est en 1995 et à cette époque, Mario 64 était encore en développement. Et pour promouvoir le jeu, Nintendo l'a bien évidemment fait passer en plusieurs publicités qui passaient à la télé. Et disons que l'une d'entre elles était assez étrange. Ah, this is terrible! Oui, who would buy stuff like this anyway? Oh, what? You think this is fun? You gotta be cuckoo crazy! You want fun? Wario show you fun! This is even better. Cependant, beaucoup de gens ont cru à une légende ou un fake, car Wario n'avait jamais été mentionné auparavant. Nous sommes cette fois-ci en 1996, soit à la sortie de Super Mario 64. Et c'est 10 ans plus tard qu'un utilisateur va se plaindre d'une anomalie dans son jeu. Il raconte qu'en traversant le long couloir pour arriver au niveau d'Irdirdox, une tête de Wario flottante a commencé à le poursuivre dans tout le couloir. Le joueur a donc décidé de faire un saut périlleux arrière, de façon à être au-dessus de la tête de Wario. Puis, il a enchaîné avec une charge au sol sur sa tête. Il réitéra alors 3 fois, et il obtenut en récompense une étoile. Après cette histoire, beaucoup de joueurs se sont mis à raconter des faits similaires avec quelques différences. Certains disent que le combat a commencé avec une toute autre musique que celle que vous avez entendue au début de la vidéo. D'autres disent avoir souffert de maux de tête, avoir eu même des accidents vasculaires cérébraux, des AVC en gros. Et enfin, d'autres gens disent avoir communiqué directement avec Wario depuis leur console. Dans tous les cas, il s'agit très certainement d'un combat de mini-boss inachevé et retiré du jeu. Et du coup, vous allez me demander, alors comment c'est possible que l'on puisse quand même le rencontrer s'il a été retiré du jeu? Eh bien, d'après moi, les développeurs n'ont pas réussi à le supprimer totalement du jeu. Il a dû en rester une petite partie dans le code source du jeu. Et donc, même s'il a été supprimé des dossiers internes, avec quelques manipulations ou juste avec de la chance, il est possible de le rencontrer. Depuis quelques semaines, les internets s'affolent sur le sujet. Car la vidéo que vous avez entendue au début date d'il y a à peine 3 semaines. Et c'est cette vidéo-là qui nous a tous rappelé qu'on ne connaît jamais un jeu à 100%. Sa vidéo ayant fait le buzz, plein d'autres personnes en ont fait des reprises à la FNAF VHS, tandis que d'autres ont modé le jeu pour créer leur propre Mario. Enfin, d'autres l'utilisent pour faire des mèmes. Et vous dites-moi, que pensez-vous de tout ça? Est-ce une histoire montée de toutes pièces ou Nintendo nous a réellement caché quelque chose? Écrivez-le en commentaire et on pourra en débattre ensemble sur le sujet. Lâche un like si tu aimerais que je continue la série et abonne-toi en activant la